BPM Héritage poursuit sa tournée des grands salons. Nous étions il y a quelques mois à Lyon, puis à Paris. Aujourd'hui, nous sommes à Essen, à quelques kilomètres de Düsseldorf. Le salon d'Essen, c'est un salon de voitures de collection très connu, qui fait partie des quatre plus gros salons au monde. Comme vous le savez, BPM Héritage propose des voitures de collection de toutes marques. Cependant, ici, à Essen, nous avons pris le parti de présenter uniquement des Mercedes. Pourquoi ? Nous sommes dans le hall 1, le hall où se trouvent tous les gros marchands allemands de Mercedes. Il y a même Mercedes Stuttgart, Mercedes Allemagne, qui est présent. Donc ça avait du sens que nous présentions également que des Mercedes. D'autant que nous les avons sélectionnés avec précision. Nous avons des modèles qui datent de 1938, juste qui est au début des années 90. 1938, la 170S que vous avez déjà vue en vidéo, une voiture d'avant-guerre. Nous avons également une pagode d'origine, 59 000 km, dans un état incroyable, comme toutes nos voitures. En voiture plus récente, une 560 SEC, toute d'origine, une 190 2.6 litres, toute d'origine, une 500E, la voiture mythique du film Taxi, 55 000 km, qui a déjà trouvé preneur tout à l'heure d'ailleurs. Et puis, une 6.9 litres, voiture mythique, une 300 SL 24 soupapes avec 8000 km simplement au compteur. Et pour couronner le tout, nous avons au centre du stand cette Mercedes 600, 100 000 km entièrement d'origine que vous avez eu l'occasion de voir également sur notre site. Bien, monsieur Jean Hübner nous a rejoint, c'est le directeur de la communication du salon. Deux ou trois petites questions, monsieur Hübner. Tout d'abord, combien d'exposants participent à ce salon et qui sont-ils? D'où viennent-ils? Nous avons plus que 1200 exposants ici, oui. Et ils viennent avec plus que 2700 automobiles différents. Et nous avons des exposants de presque 30 pays. Pour ça, l'exposition Technoclassica est vraiment une foire internationale. Et alors j'imagine que cette année, comme chaque année, il y a certains événements particuliers qui ont lieu. Oui, cette année, c'est une année de grand jubilé. En commençant par exemple avec le Mercedes 600 ici. Oui. La plus belle voiture représentative de Mercedes pour tous les présidents internationaux. Oui. Et aussi 60 ans avec les Mercedes Pagode SL et les Porsche 911 Carrera RS avec le 50e. Et pour la fascination, 60 ans de Lamborghini sur notre halle numéro 5. Dernière question. Combien de visiteurs attendez-vous pour cette édition? Bon, nous expectons presque 200 000 spectateurs, visiteurs ici pour cette exposition. En tout cas, ce sera un succès, nous en sommes tous certains. Oui, merci. Pour résumer, si vous êtes un passionné de voitures classiques, de belles voitures classiques, le salon Technoclassica est fait pour vous. N'oublions pas également que nous sommes en Allemagne. L'Allemagne incarne l'automobile de luxe, de sport, la belle voiture en règle générale. D'ailleurs, l'automobile fait vraiment partie du patrimoine et de la culture allemande. En vous promenant parmi les allées, vous pourrez découvrir les plus beaux exemplaires de certaines marques mythiques comme Porsche, BMW, Mercedes. Ici, nous sommes vraiment en immersion totale dans le monde automobile allemand comme on l'aime.